tout le monde. Et on ne peut pas dire que les choses ne soient pas claires, hein, surtout avec ce panneau. C'est 20, c'est pas 30, c'est 20. Mais oui, les limitations, c'est pas fait pour les chiens. Et quand on vous dit que c'est limité à 20, c'est pas 30, c'est 20. Et c'est ça le plus agaçant, hein. Je m'efforce de respecter le 20 km/h, mais j'ai l'impression d'être le seul. C'est 20, passe, pas 30. Regardez bien. 20. Ah ben, c'est trop. C'est malin. Une imitation, c'est une imitation, monsieur. Hein. Une imitation, c'est une imitation, c'est pas... Oh, ouais, c'est... Non, 22, c'est pas bon. C'est 20. Ah ouais, bah voilà, l'insulte à tout de suite. Bah ouais, hein. Tellement facile, hein. Ah, les prétextes à deux balles. Oh, je suis à 22-23. Bah oui, précisément. Ça veut dire que vous êtes au-dessus des 20 km/h. Oh! 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 C'est une piste cyclable! C'est une piste cyclable, ça, monsieur! Non, non, vous devez rouler là! Monsieur, c'est une piste cyclable! Je suis prioritaire ici! Vous me voyez? Pourquoi est-ce que vous avez avancé alors? Allez, apprenez votre code! Putain! Pas possible ça! Ah ouais, je te vois, mais je te roule dessus! Ah ouais, t'as à toi à faire attention! Gros imbécile! Ah! Putain, il y en a qui sont vraiment fatigants. N'importe quoi. Mais où est-ce qu'ils ont eu leur permis? Putain! Où avez-vous eu votre permis? Putain! Un cycliste a priorité sur sa voie, sur sa piste cyclable. Qu'importe que vous ayez mis votre clignoteur ou pas. Et pourtant, c'est tellement plus simple et plus sympathique, surtout, de respecter le code de la route et de faire attention aux autres. On a même droit à des bons sourires de temps en temps. Alors ici, le temps que j'actionne ma caméra, deux gros inciviques qui ont éclaté une bouteille sur le trottoir sont partis sans rien ramasser. Vraiment des crétins, des connards, égoïstes, ils en ont rien à foutre. Je leur ferais bien bouffer, bordel. Bande de crétins. Ils ramassent même pas. Putain, quel bande de couilles. Oh, c'est gentil, merci. Ceux qui l'ont fait tomber, vous avez croisé des gens en scooter, les deux poivrons en scooter. Attention, c'est eux. Et je pensais qu'ils allaient ramasser, mais non. Et le temps que je vois, faites gaffe, hein, parce qu'ils sont très coupants. Et je pense qu'ils sont trop loin, mais sinon, je rêverais bien engueulé, hein, parce que franchement, c'est... Mais c'est dangereux. C'est dangereux, et c'est du gros foutage de gueule. Ils cassent, ils en ont rien à foutre, ils laissent ça là. Tranquille. Les chiens. Qui est ouvert, monsieur. Merci, c'est gentil, je sais. Ah là là, on pourrait se promener avec une brosse en fait, hein, pour tout le temps. Je l'ai dit à fait, mais j'en ai marre. J'en ai bon. Bah, après, je vais avec mon pied pousser tout dans la rigole. Et là, il y a une poubelle là-bas. Merci du coup de main, hein, c'est cool. Bonne journée. Hein. Ah, voilà qui fait plaisir et qui rehausse ma foi en l'humanité. Ouais, ça fait du bien. De temps en temps, comme ça, c'est chouette. Et en termes d'incivisme et d'irrespect, ben voilà un beau. Hein. C'est même classique en fait, malheureusement. Et
Et en termes de civisme, en tout cas de courtoisie, c'est quelque chose ici que bah, je fais souvent. Quand je vois un chauffeur poids lourd qui attend de pouvoir rentrer dans un rond-point, bah, c'est quand même sympa de l'aider. Parce que c'est pas évident avec ce genre de véhicule. Ce qui ne veut pas dire que je suis obligé de le faire. C'est mon choix. Allez, encore une petite preuve que la zone 20 km/h à Namur, elle est très bien respectée. C'est 20 20 km/h max. Pas 25, pas 30. Hein. Hop. Alors, je suis à 30 km/h ici, c'est-à-dire la limitation. C'est 20, c'est 30 km/h ici, monsieur. 30 km/h, monsieur, ici. Ben, vous êtes à au-dessus de 30, moi je suis à 30. Ah bah ouais, mais il faut respecter le code, monsieur. C'est une question de sécurité, d'accord? Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, ça. Eh oui, toujours dépasser les limites, ne jamais respecter les règles, au détriment de la sécurité des autres. Ça m'agace. Allez, bonne route tout le monde.